Les indices européens perdaient du terrain ce mercredi à mi-séance, pénalisés par les inquiétudes liées à la croissance en Chine et dans l'attente des minutes de la Fed. À 13h34, heure française, le Stoxx 600 perdait 0,78% à 385,1. À Londres, le FTSE cédait 0,96% à 6463,75. Et à Francfort, le DAX était en baisse de 1,25% à 10779,32. Sur le marché français, maintenant, le CAC 40 était en baisse de 0,7% à 4936,61. Il y avait 36 valeurs dans le rouge pour 4 valeurs dans le vert. À noter parmi les plus fortes baisses du jour, Peugeot, moins 2,35% à 16,62 €. Technip, moins 1,75% à 46,64 €. Et ArcelorMittal, moins 1,42% à 7,78 €. À la hausse, en revanche, on retient Société Générale qui gagnait 0,85% à 47,61 €. Sur le marché d'échange, l'euro valait 1,1039 $ et le dollar de son côté s'échangeait contre 124,36 yens. Sur le marché obligataire, pour terminer, le rendement de l'OAT 10 ans est en baisse de 0,3 BP à 0,98%. Depuis le New York Stock Exchange, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Excellente fin de journée à tous et à demain.